Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo super importante puisqu'on va voir quelque chose qui va révolutionner votre business, qui va complètement transformer la vie de votre entreprise. On va savoir comment prononcer le nom de ce fameux réseau social professionnel qu'on veut tous utiliser. Alors, je garde le secret, je vais pas le prononcer. Vous savez de quoi on parle et on va le voir ensemble tout de suite. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, donc du coup, je suis expert sur ce réseau professionnel et je vais vous aider à trouver des clients B2B sans avoir besoin de passer votre vie à créer du contenu ou encore à faire de la publicité. On va pouvoir mettre en place une méthodologie qui vous permet de gagner des clients très rapidement en quelques semaines. En fait, il y a une ou deux semaines où vous allez configurer votre profil et puis derrière, on vous expliquera comment trouver très facilement et beaucoup de clients par LinkedIn. Alors, je le dis parce qu'en fait, c'est super compliqué de faire une vidéo sur LinkedIn sans en parler, sans utiliser ce mot-là. Et c'est de l'humour, je fais de l'humour effectivement. Et d'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo où je vais vous expliquer quelque chose, je vais vous expliquer comment développer votre business tout en restant fun et accessible, likez la chaîne, en tout cas abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et on va faire des vidéos aussi beaucoup plus sérieuses où je vous expliquerai comment optimiser votre profil ou encore si vous le voulez, on a un groupe sur Facebook où on vous partage quotidiennement des conseils sur LinkedIn pour générer du business. On est à peu près, à l'heure où je vous parle, plus de 180 professionnels de la vente B2B, donc ça reste toujours intéressant de réseauter. C'est sur Facebook, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que donc ça fait quelques temps que je forme et que j'accompagne des professionnels sur LinkedIn et cette question de la prononciation elle revient souvent. Alors vous avez des gens qui ne savent pas du tout générer du business sur ce réseau social, qui sont complètement à la rue d'un point de vue profil, optimisation, compréhension de l'algorithme, création de contenu, mais par contre, attention, le plus important c'est la façon dont on va prononcer le nom du réseau social et ça peut complètement les bloquer si jamais vous le prononcez pas de leur façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jeff Weiner, du coup le fondateur de LinkedIn, le prononce LinkedIn avec cette espèce de petit T à l'intérieur et d'ailleurs c'est la bonne version de le dire, c'est LinkedIn. Mais le problème, c'est que l'on est en France et que en France, si je ne prononce pas LinkedIn ou LinkedIn, j'ai beaucoup de clients qui ne vont pas comprendre ce que je dis. Je l'ai fait dans des conférences, j'ai fait dans des repas d'affaires, etc. Si je dis LinkedIn, les gens ne comprennent pas LinkedIn. La problématique, voilà, c'est de savoir ce qu'on veut à un moment donné. Si on veut trouver des clients, etc. et le prononcer à la française, alors je vous dis pas de dire LinkedIn, comme certaines personnes peuvent le dire, ou LinkedIn, je ne sais pas, c'est pas l'objectif. Mais il faut quand même s'adapter à son profil. Alors, je vois beaucoup, j'ai même vu une vidéo récemment qui s'est amusée à prendre tous les experts de la toile et à les comparer la façon dont ils le disent. C'est un choix. Ce cher monsieur, j'espère qu'il gagne beaucoup d'argent grâce à LinkedIn. Mais il y a une réalité, c'est que si on ne dit pas LinkedIn en français, on va avoir des difficultés à se faire comprendre par la grande majorité de nos clients. C'est pas une vidéo très longue, j'avais juste envie de vous faire cette remarque-là, non seulement parce que c'est une recherche sur Facebook et c'est un discours, c'est un débat depuis très longtemps, donc dites-moi aussi dans les commentaires comment vous le prononcez, c'est un peu difficile de dire en commentaire, mais en tout cas, je vous attends dans le débat. Encore une fois, si vous voulez avoir des vidéos qui me semble plus intéressante pour développer votre business, je vais vous expliquer comment avoir beaucoup de visibilité sur LinkedIn, comment optimiser votre profil, etc., comment avoir des clients, comment utiliser efficacement la messagerie, comment utiliser la persuasion ou des méthodes de PNL pour pouvoir avoir plus de clients qui sont attirés directement vers votre produit, qui ont un fort intérêt et une forte confiance en vous. C'est très facile à faire sur LinkedIn. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura fait rigoler puisque on est quand même là pour se marrer à un moment donné. Et je vous dis à très vite, du coup à demain pour une nouvelle vidéo.
Je voulais juste vous dire petit mea culpa, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'ai oublié qu'il fallait pas que je m'appuie sur mon bureau puisque la caméra est juste en face, donc à chaque fois que je faisais ça, la vidéo vibre, donc navré pour ça, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me faire un petit commentaire dans la vidéo en disant là c'est insupportable, je trouve ça aussi insupportable, je vais pas refaire la vidéo non plus puisque c'est pas une vidéo très sérieuse, donc excusez-moi par avance et je vous dis encore une fois à très vite.